aujourd'hui on est passé au bas de quai SLL qui avait été posé, on va de la retirer ici parce que là on va tout découper. Je peux vous dire que ça va lui faire du bien parce que Marville, quand j'ai sauté le bol, ça a fait découvrir des choses salaces. C'est pas normal. Vegas. Ça c'est en une semaine. Hein. Ah ouais, je rigole. Ça se voit. Non, là on va passer au découpage là. Parce que le kit, si vous voulez, il vient se placer ici là, ce qu'on a marqué là. Il vient choper tout là. Donc le découpage il va être fameux là. Allez, c'est parti. On passe au perçage pour la fixation du kit. Le capitaine Georges. Yes, papa. Pendant qu'il y en a qui tirent à la mitraillette. La petite pince. Ah, là il place les inserts là, pour pouvoir fixer le kit carrosserie. Après si tu veux, après tu peux pour faire, ouais, voilà, pour faire un petit arrondi là, tu sais, pour ta roue. Ouais. Pour suivre le galbe aussi, tu vois. Ouais. Tu, ah, maintenant qu'on a percé. Dessus, donc, voilà. Tu vois là ici. Et on était en train de passer au pare-choc avant et finalement la réflexion bête que j'ai pas eue, parce que c'est la première fois que j'en achète un vraiment en fibre, c'est qu'il n'y a pas de perçage à l'avant. Sur le coup j'y ai pas pensé et du coup impossible pour moi de le fixer pour l'instant. Donc bah, ce qui va se passer c'est que je vais devoir racheter un pare-choc quand même neuf au final de chez Drift Shop sûrement. Parce que le mien il est dans le nord, j'en avais un tout près et je l'ai oublié, donc j'ai le seul. Donc voilà, au final, un pare-choc cassé, un deuxième qui ne sert à rien. Et j'ai pu prendre un tout nouveau là, dessus de Drift Shop, un pare-choc M3. Je vais tirer ma traverse. Que je vais pouvoir adapter sur celui-ci là. Au moins elle aura une belle gueule avec un pare-choc tout neuf, hein, ça ira mieux. Allez au travail. Vas-y, ouais. Bah là on va te finir les dernières poses des éléments là. Juste placé en scotch là. Putain, c'est...
Moi j'étais déjà là. PSR, c'est le petit white. Ils sont arrivés en V8 sa mère. J'ai rien compris. C'est pas celui-là encore. Bonjour. Nous c'est tout dans la discrétion. V8 combien? 6 litres? La discrétion. 6 litres 6. Putain sa mère. Putain. Juste pour pousser le pare-choc avant, il faut 100 chevaux, frère. C'est un truc de ouf. Mais il y a le poids de la porte. Putain. Bah, tout est ouvert, hein, fais ton tour. Bah écoute, c'est parti, hein. Town and Country. Putain, c'est un. Eh, hey, il me semble que je l'ai vu dans Forza celle-là. Mais là, la lumière, tu vas rien voir. Ouais, faudrait la rentrer là. J'ai les feux qui s'allumaient et qui s'éteignaient, et d'un coup, je vois une bille qui passe en plein milieu, j'entends paf. Putain. Je sais pas où elle a tapé, mais en tout cas, les feux, ils ont pu arrêter des. Frère, même des poignées si tu veux te tirer en skateboard et tout. Putain, le délire. Washington, frère. Vous allez pas pouvoir voir. Yes. Aïe, aïe, aïe. T'as une idée du poids du truc? 2 tonnes 6. 2 tonnes 6. Putain. Et pour une fois, elle est en règle. Aïe, aïe, aïe. La sellerie elle est un petit peu déchirée, mais c'est parce que j'ai trop serré les fesses au moment de freiner. Bah elle est moins déchirée que mon pote à Marville, ça fait plaisir. Putain, c'est excellent ça. Putain, la portière arrière elle s'ouvre pas? Si, mais tu sais, c'est à l'ancienne. Hein. C'est à dire? Ah bah regarde, je te montre. Ça devrait être. Avec plaisir, frère. Aïe. Putain, le délire, c'est un canapé, frère. C'est un F4. Hein. Putain, ouais. Alors là, tu as le petit coin. Les apparts à Paris sont moins grands que ça, frère. La salle de bain se trouve à l'arrière avec les. T'as même un fauteuil à l'arrière. À l'avant, t'as le lit des enfants. Ici, t'as le lit conjugal. Attends, et là, t'as la chambre d'amis. Rentre là, le bordel. Ah ouais, ouais. Le bordel. Et voilà comment perdre 40 litres. Exactement. Vue d'intérieur et on est dans le bon sens, c'est ça le pire que je comprends pas. Mais le volant il est par là. Voilà. C'est n'importe. C'est un truc de ouf. C'est génial. Un faux plafond, frère, c'est une maison le truc. Putain, le truc. T'as même laissé ton assiette, il faudra que tu ranges dans l'armoire derrière. Ouais, mais j'ai pas eu le temps pour l'instant de faire la vaisselle comme ça. Ah tu merde. Vois. Putain, le truc. Ouais, y'a du taf dessus, mais. Alors, je l'ai prise parce que j'avais touché un tarif intéressant. Allez, viens, ouais. On va faire un petit pique-nique au bord du canyon. Putain. Ah ouais, là, tu veux partir au States là. Attends, Jerry, y'a même un interrupteur là-bas, je sais pas c'est quoi. Truc blanc. Ça, ça doit être le compteur électrique pour la maison. Ah, voilà, c'est. Putain. Ah, t'as même la chaudière et tout. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ça marche au fioul. Par contre, ça consomme un petit peu. Mais... Ah, putain, ouais, la consommation, j'ose même pas te demander. 40 litres. 40 litres. Quoi qu'il arrive. Putain. Quoi qu'il arrive. Ouais, donc autant appuyer, quoi. Bah oui. Putain. On est monté à 120, 130 tout à l'heure. Tout de suite dessus, parce que c'est des pneus, tu sais. Ah ouais, c'est pas fait Toyo, pour. Putain, ouais. Avec le poids, enfin, l'inertie de la bagnole. Ouais, c'est un mais truc le de fou. Un coup de volant, ça commence à partir ouais, comme ça dans le bateau. Putain, ouais. Et les freins, ça donne quoi là-dedans? Ah, les freins sont très, 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 très forts. Sérieux? Extrêmement. Vraiment ou. Ah, je te promets. Je te promets, ça freine très fort. Genre, tu peux demander à Jordan. Hein. Jordan! Putain. Jordan, t'en penses quoi du freinage de la voiture? Ah, mais c'est impressionnant. Vraiment? Parce que je m'attendais pas à ce que ça freine vu le truc, tu vois. Ah, mais, disque avec 4 plaquettes neuves et tout, j'ai tout refait. Putain, faut que t'ailles faire un tour, je suis sûr, c'est trop marrant. Ah, avec plaisir. Faut que t'ailles avec lui, c'est trop marrant. Putain, ça freine très fort. Moi, je dis, on y va tous ensemble. Allez, il ah, y a de la place. Hein. Celle-ci aussi passe à la trappe. On passe du 255-47 à du 235-45-17 pour tester à l'arrière. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ah, il y a plus de. Allez, avance. Bah, un petit coup vite fait pour voir déjà. Bam.
Allah. À la prochaine. Je suis jamais comme ça. C'est la technique. Il y a la chaussure qui prend le... Je crois que tu crames un peu là. Tu connais Ghost Rider ou pas? Toi t'as un sale Ghost Rider toi. Maintenant on laisse sortir tout ce qu'il y a là. Nickel. Allez, on va voir maintenant. Vous pouvez, comme vous pouvez le constater, le fit est parfait. Parfaitement pas ajusté encore. On peut dormir entre l'aile et le pneu. Hein. Pour tout début de fitment, t'es appelé... Salim alaikum. Carrosserie des petits carreaux. Comme ça, je suis sûr que ça va. Premier essai, là. Ah bah, c'est pas toi le jeu. C'est presque concluant. Ouais, presque. Presque. Mais c'est impressionnant, les gars. Si on met un doigt là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Attends, je vais en mettre un aussi. Là, elle est parfaite, là, elle est posée. Là. Attention, 1, 2. Ah, ah merde. On a de la soirée qui se prépare là. Soirée tuning. La soirée tuning. Préparation des gros stickers pour la bébête. La semaine il va partir, il va emmener la télé. Bien les sièges vitales. Qu'est-ce qui se prépare ici là? C'est quoi ce délire? On va pimper ta caisse. Aïe, pimp my ride. Sticker ta caisse. Grave. On a vu que t'aimes bien le couscous, on t'a mis une cuisine dans ton coffre. Oh là là, ah ouais. T'as vu manger un morceau de viande une fois, on t'a installé une brochette à kebab. Qu'est-ce qu'elle arrache? Mais tu sais, genre, il que j'ai pété le verre là, hier là. C'est le verre bombé là. En cours. Je mets un coup de main dedans, il tombe sur le côté. Je m'en rends pas compte. Je la prends, je me mets dans ma bagnole et je fais putain, le verre il grappe ici, c'est quoi ce bordel? Je regarde, il était fêlé. Et le mec il m'avait dit de mettre la bague comme ça autour pour protéger. Je suis arrivé chez moi, je dis oh putain, c'est bravo. Moi, c'est débile. Regarde, moi, c'est débile. Pareil que c'est pas moi. Regarde, hein. La meuf se fait peur toute seule. Bon, écoute, par rapport. Oui, tu vas te faire aller, on va te faire aller. On vient. Bah oui, je vais rouler tranquille. Hein. Ah. Pousse là, tu peux. Tu peux la pousser avec la voiture. Stop, stop, stop! Braque! T'as une Mercedes là! Oh le bon! Tout droit! Braque un peu! Et tout droit! Braque un peu! Tout droit, tout droit! Tout droit! C'est bon, vas-y tout bon. Bon, il est quelle heure Salim? J'ai pas de mots. Ah putain. S'il te plaît, je fais ma vidéo de fin.